Red Bull, ready to go? This is Red Bull, ready to go. Red Bull sugar free, you guys ready to go? Ready? Black boat, radio check. Yeah, JC, this is Black Boat. Fully operational. 5, 4, 3, 2, 1, mark. 5 minutes to your start. Ah, c'est juste génial, c'est toi deuxième manche, je t'en ai remonté premier. On a tout donné, c'est donné pour de largue et puis bah, ça payait, c'est cool. Ce qu'on arrive à améliorer en faisant du travail sur l'équipe à la fois pendant leurs exercices, leurs manœuvres, leur entraînement sur le bateau, mais aussi en dehors, c'est d'accélérer le processus de se connaître. Et mieux on se connaît dans une équipe, plus on arrive à s'entraider, à trouver des ressources pour aller un peu plus loin, pour faire le petit ou le grand pas de plus qui fera la différence sur l'eau. Alors, se concentre, les gars. Test physique, premier test, j'ai cassé le winch. Qu'on gagne une régate, c'est de faire les choses qu'on sait faire le jour J. Et ça, c'est une question de concentration. Pour arriver au bon niveau de concentration, il faut une bonne routine, des automatismes qu'on met en place. Et pour qu'ils soient prêts sur cette régate, on a mis en place la veille, on les a fait décrire une manche de façon artificielle, en fait, à terre. Et ça les a permis de gagner du temps et d'être prêts le jour J. Le fait de discuter de la manche la veille, de la décrire à chaque moment, ça les a permis d'être prêts hier et d'avoir ces résultats. Putain, j'ai rien compris, on était troisième, on est passé premier, je sais pas, c'est magique quoi. We'll be right back.
Les derniers 4 mois, ça a été une vraie tornade, un fabuleux travail d'équipe et un rêve qui se réalise. Au final, on est juste au début de cette superbe aventure. America's Cup and a lot of enthusiasm, Ken and Nathan, out there on the water as the boys are off and sailing. Man, that's close stuff. These guys are piled up. Parle-nous de tes sentiments, comment tu te sens après cette journée? On peut recommencer. J-3, la première course, conférence de presse donne. J'ai vivement d'être sur le bateau parce que je me sentirais plus à l'aise que devant toutes ces caméras. Et vivement qu'on commence le 1er septembre, qu'on soit dans le vif du sujet et qu'on donne tout durant ces 4 jours de compétition. Là, ça fait 9 mois qu'on s'entraîne pour ça. Là, c'est demain, dans moins de 24 heures. Donc, le stress commence à monter. Mais là, on est vraiment, je crois que toute l'équipe est vraiment à 100% et on se sent vraiment fort et prêt pour demain, pour le départ. Donc, on se réjouit. Switzerland, please welcome Team Tilt! Lucien Cogio, the helmsman, Jeremy Vasily, Jonas Sejan, Thomas Mermont, Lionel Balshier, Byron Matru, the tactician. Good morning, guys. Right, it's all about pulling the trigger.
France, the Swedes, and New Zealand won. And here comes Switzerland. They'll finish up in fifth place in the American. C'est vrai qu'on a eu un gros souci sur les départs. Maintenant, c'est la première journée, il y avait un peu de stress. Ce soir, on va analyser ça et rectifier le tir pour, tout, pour demain. Et après, la capacité à revenir, ben, s'ils partent devant, c'est qu'ils vont faire des manches dans les trois, quoi. America's Cup is underway. And the Swiss just make a move right in front of Charlie Ekberg and really force his hand. Pour nous, le déclic, ça a été un bon débrief hier soir. Essayer de trouver des solutions, surtout sur les départs. Et pas changer grand-chose, mais je crois que la motivation de l'équipage et tout, c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Get the results for race number four. The Swedish Youth Challenge gets the win, 5 seconds ahead of Team Tilt, Switzerland, New Zealand Racing, Emirates Team New Zealand. L'équipe est euphorique, et évidemment, c'est génial. Hier, ils étaient déçus. Et tout comme la déception, l'euphorie doit se gérer. Déjà, la journée elle est finie, c'est le passé déjà. Chaque fois, chaque manche, chaque journée, on repart à zéro. Là, on est revenu dans le coup, c'était le but. Hein. On avait dit hier, ça se joue aujourd'hui, c'est soit on est dans le coup aujourd'hui, on peut jouer avec les autres, soit on est à la maison. Donc là, on est dans le coup, continue de pouvoir, on a le droit de jouer encore avec les autres pour voilà, jouer jusqu'à la fin. So here we go with race number five of the Red Bull Youth America's Cup. I mean, and go back to the Swiss right now, Todd. Here's by far the best day of the entire series of any boat yesterday with 2 second places, and here they are rounding the mark last. Drops them down to third place overall in the series. Disappointing day for Swiss as well as they get ninth and USA 2 comes in 10th. Alors on est un petit peu déçu de la journée après ces beaux départs. Ils ont un peu mal géré les croisements avec la flotte et les retours à terre. Bon, il faut juste être un peu plus lucide, je pense, pas faire des erreurs bêtes comme des pénalités. Et tout devrait bien se passer parce qu'on était à chaque fois dans le coup quand même et juste pas faire ces erreurs bêtes. Je pense que demain, il faut sortir la tête du bateau, anticiper plus ce qui se passe, les croisements, et être plus malin que les autres sur ces situations-là. Ouais. Live pictures here in San Francisco, California. We are just moments away from the start of today's first race of two. It'll be race number seven, and then reminder, race number eight will be worth double point. And we are 5 seconds away from the first race of the day. Looks like people might get boxed out at the weather end up there, Todd. We'll be right back.
now tucking it on the outside. On board with Team Tilt, the Swiss under the guidance of Lucien Cujon, the helmsman. Gate number four, it's Team Tilt, the Swiss, out in front. Here comes Portugal and France battling for second. Right now, no problem for the Swiss as they are out in front in clean air. They have the whole course to themselves, basically doing whatever they want to do. And you got to give a lot of credit to their helmsman, Lucien Cujon, who is making the right decisions. But at the line, it is Team Tilt. Switzerland gets their first win of the regatta, and they win race number seven. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions, surtout pour un projet comme celui-ci. On a travaillé dur pendant 10 mois. Beaucoup d'entre nous ont mis tout de côté pour être à 200%. Et voilà, finir avec la médaille en chocolat, c'était pas ce qu'on voulait. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. Non, pour nous, c'était extraordinaire. Ça nous a ouvert les yeux. Comme quoi, finalement, notre lac est extraordinaire, mais il se passe beaucoup de choses à l'étranger. Puis on a fait face à des coureurs extraordinaires, des médaillés olympiques, des champions du monde. Et au fait, avec beaucoup de travail et d'enthousiasme, on arrive à se battre avec ces gens, puisque à plusieurs reprises, Lucien et son équipe les ont battus et bien. Pour ma part, j'ai tellement appris en 10 mois de préparation qu'en 5 ans de régate en solitaire. Donc c'est juste énorme. Si je devais refaire une course comme celle-ci demain, je repartirais tête baissée. Et par la suite, bien entendu, il ne faudra pas s'arrêter. Je n'ai pas un projet à annoncer officiellement, c'est trop tôt, mais avec une équipe pareille et puis des jeunes pareils, il faut continuer une histoire. Une belle histoire se continue.